Le groupe Colas est très engagé sur la safety attitude. La sécurité de ses employés est une priorité. Pour cela, Colas montre l'exemple en mobilisant ses salariés autour de la sécurité routière. Afin de faire prendre conscience des dangers de la route, Colas Maroc a fait le choix d'une formation choc mêlant théorie et pratique. Dans les 5 centres Colas répartis à travers le Maroc, des formateurs ont sensibilisé l'ensemble des collaborateurs. Le risque routier professionnel est souvent générateur d'accidents graves, voire mortels. À cet égard, nous devons être responsables vis-à-vis de nos collaborateurs et il est important que nous puissions leur donner la formation, l'information et que nous soyons exigeants à leur niveau sur la sécurité routière. Alors ce que j'attends de cette formation, c'est qu'à l'issue, nos collaborateurs sachent forcément conduire, mais sachent également se conduire, ce qui est important comme comportement sur la route. L'objectif, c'est faire goûter à nos équipes par le biais de l'aspect ludique, les risques relatifs à la conduite. Il y a un atelier sur la voiture tonneau, là qui simule le retournement d'une voiture, un simulateur de choc frontal, puis les parcours de somnolence, puis un parcours de conduite avec des lunettes qui stimulent la somnolence et la fatigue. On a accentué dans un premier temps nos efforts sur les équipements individuels, la protection collective et les comportements des ouvriers sur les chantiers. Aujourd'hui, un des risques majeurs qui est présent dans notre profession, c'est le risque routier. Nos routes sont très accidentogènes, donc on a voulu leur prendre conscience des sensations et des conséquences d'un accident. C'est impressionnant de voir qu'à une toute faible vitesse, on arrive à avoir des chocs comme ce qu'on a vécu aujourd'hui. Bonjour, سبقنا خدمنا في الشركات اخرين اول مره كنشوف هادشي زعما صراحه مزيان faut pas avoir la mémoire courte faut se rappeler de ces choses là pour les appliquer moi de toute façon j'ai passé une bonne journée avec mes amis ici j'ai appris beaucoup de choses. Lorsqu'on est au volant, il n'y a pas de risque qui ne contient pas de danger. Et voilà, je pense que c'était l'idée qu'on voulait nous inculquer. Et avec un cas pratique, je pense que tout le monde aujourd'hui a été conscient de l'importance d'être prudent au volant et surtout de porter sa ceinture de sécurité. Nous intervenons sur le domaine routier. Donc vis-à-vis des usagers de la route, nous leur devons un ouvrage de qualité. Nous leur devons une signalisation irréprochable pendant nos phasages de chantier, le tout en adéquation avec les directives de la direction des routes.